Quand l'Australie fut découverte, tout le monde trouvait ça à chier. En effet, au début du XVIIe siècle, des explorateurs néerlandais ont accosté un peu par hasard en Australie. Aussitôt, ils ont saisi leurs plus belles plumes pour livrer de la terre ainsi découverte leur description la plus fidèle. Le territoire est comme non cultivé, et peuplé de sauvages barbares, noirs et cruels, qui ont massacré certains de nos marins. Conclusion, rien à en tirer. Un rapport officiel recommanda par la suite à tout explorateur d'éviter la zone. La France a déclaré la guerre au Mexique pour une histoire de pâtisserie. En raison de l'instabilité que traversait le Mexique, les commerçants et artisans français qui vivaient dans ce pays ont déposé leur plainte auprès du baron de Fody pour demander au gouvernement mexicain de les dédommager des dommages subis en raison de l'instabilité socio-économique. Parmi les plaintes, celle du propriétaire d'un restaurant dans lequel des fonctionnaires du président Santa Anna avaient endommagé ses installations et mangé des gâteaux sans payer. En raison de cet incident particulier, le conflit fut appelé la guerre des pâtisseries. Certaines personnes en 1900 pensaient que la vie en 2000 serait de marcher sur l'eau à l'aide de ballons fixés à nos épaules. L'armée française est la seule d'Europe à compter encore des pigeons voyageurs dans ses rangs. En effet, l'armée française n'utilise plus de pigeons voyageurs depuis les années 60, mais il y en a encore entretenu au Mont Valérien près de Paris. Ces pigeons peuvent être utilisés pour effectuer des transmissions en cas de catastrophe majeure. Pour l'instant, les volatiles profitent de ces temps de paix. Leur usage se limite seulement au lâcher lors de cérémonies officielles. Dans l'Antiquité, les porcs étaient utilisés pour aller à la guerre. Les porcs de guerre, également connus sous le nom de porcs incendiaires, sont des porcs qui semblent avoir été parfois utilisés pendant l'Antiquité contre les éléphants de guerre. Il semble que ces porcs étaient couverts de goudron, de lances, d'huile d'olive ou d'autres substances qui étaient alors inflammées. Puis ils étaient dirigés vers les éléphants ennemis, dans le but de les faire paniquer. D'après l'écrivain romain Pline l'Ancien, les éléphants sont effrayés par le plus petit cri aigu d'un porc. Il y a même eu un siège de la cité de Mégare qui a été élevé grâce à un troupeau de porcs recouverts d'huile d'olive enflammée et forcé par les habitants à se diriger vers un troupeau d'éléphants ennemis. La panique des éléphants aurait désorganisé l'armée assiégeante, provoquant sa déroute. En France, les commerçants n'ont aucune obligation de rendre la monnaie. Selon l'article L112.5, du code monétaire et financier, il est stipulé qu'en cas de paiement en billets ou en pièces, il appartient au débiteur de faire la pointe. Les Chinois se marient avec des fantômes. En Chine, il existe des mariages entre des personnes décédées, appelés mariages fantômes. Ce type de mariage consiste pour la famille du défunt célibataire à trouver un conjoint fantôme, lui-même célibataire, afin d'enterrer les deux corps côte à côte et renouer avec la bonne fortune. Ces mariages sont très ancrés dans la coutume chinoise et les familles achètent parfois le corps à des milliers de yuan. Une éclipse totale de soleil a précipité la paix entre les Mèdes et les Lydiens. Dans l'Anatolie du 6e siècle avant Jésus-Christ, les Mèdes et les Lydiens battaient le fer depuis 5 ans. Elle a été comprise comme un mauvais présage par les deux camps qui ont décidé sur le champ de faire la paix. Le drapeau de l'Alaska a été dessiné par un enfant de 13 ans du nom de Benny Benson en 1927. Le choix du drapeau se fit sur concours. Et c'est lui qui le gagna. De nos jours, le drapeau flotte au sommet des monuments importants de l'état d'Alaska. J'espère que ces quelques anecdotes vous auront plu. Mettez un pouce bleu et un commentaire, et je vous dis à la prochaine!